Appliquer la résolution 2277. Vous savez, en Colombie, les FARC ont commencé par la guerre. Ils ont mis 52 ans, ils ont tué 300 000 Colombiens, mais ils terminent par les dialogues. Nous, nous préférons commencer par les dialogues. Ceux qui ne sont pas venus au rassemblement de l'opposition, les traîtres. Ceux qui ne sont pas venus nous traitent des traîtres. C'est la première fois que j'entends ça. Au sein de l'opposition, vous me citez un seul parti qui a dit non au dialogue, il n'y en a pas. Tshisekedi, tout le monde a dit oui au dialogue. Mais le dialogue prévu par la résolution 2277. Au sein de l'opposition, dites-moi un seul parti qui a dit que le président Kabila doit continuer après son mandat. Aucun parti. Pas moi, pas un seul parti de ma coalition. Au sein de l'opposition, est-ce qu'il y a un parti qui a dit que nous allons aller aux élections sans que nous remplissions les conditions de ces élections? Mais pourquoi on a prévu le dialogue? C'est parce que nous avons alerté l'opinion internationale depuis très longtemps. Il y a des tergiversations qui vont retarder le processus électoral. Nous y sommes, je n'étais pas prophète. Donc nous venons dialoguer parce qu'il y a une crise. Une crise qui se profile à l'horizon. Mais le préalable, l'Afrique, pas également. L'Afrique, c'est là le problème de l'Afrique. On voit les impasses venir. On s'est dit non, on va affronter ça le moment venu. Et c'est le désastre. Au Gabon, j'étais observateur des élections. J'ai parlé à Jean-Pierre, j'ai parlé à Ali Bongo. J'ai dit, les élections telles qu'elles se sont passées, avec l'engouement des Gabonais, je vous conseille de dialoguer avant pour trouver intérêt d'entente et éviter les morts inutiles. Mais j'ai comme l'impression qu'ils vont dialoguer après, qu'il y ait la casse. Et donc, je suis venu ici et je tiens à dire à la nation toute entière que Kamere est venu pour faire respecter la Constitution et obtenir un calendrier réaliste pour avoir les élections avant l'alternance. Les valeurs de la République. Je ne parle pas des individus, je parle de la République. Merci. Toye awa ko élection dengeza ko kende. Komanda ko babanda kala ke baza ko lexa tango na baninga ko baza na pouvoir. Mais ceux qui ba sengi dialogue ko ba prévoir la résolution 2277 et l'axe qui est kamboza na katia mboka. Parce que le 20 septembre, il faut pas benga pour nommer où il y a président de la République. Mais Moutinho, ça se sentit qu'il y a aussi à l'ébattre. Alors, tu vanda, le quoi, tu mets ça en Afrique, ce mot, tu m'as dit qu'on peut, tu m'as dit qu'on peut, tu alors que tu as ça, là, gouverner, c'est prévoir. Il y a un autre, il y a pour faire respecter la Constitution. Il y a un pour te faire ça, il y a majorité de peuple congolais pour Bimba. Chance, il y a besoin de solution pacifique. C'est-à-dire que tu as pour avoir ça, le calendrier électoral. Tu as aussi le pour soutenir. Dans le respect de la Constitution. Bon, vous allez dans l'esprit et la lettre. Donc, les alliés qui ont trouvé l'alternance, l'alternance fait ça. Il y a un peu de temps pour le président Kabila mandat pour soutenir à vos enfants. Nous sommes des leaders. C'est à ce moment que les grands leaders s'élèvent.
pour dire haut et fort au peuple congolais, voici la vérité, voici le chemin. Jésus-Christ, ma bête que ma bangate. Mais vous allez à ce moment-là, ne donnez pas peur. Quand vous êtes un leader, vous restez dans les principes, votre conscience, et vous allez y arriver. Ils ont été. Oui. Juste dire pourquoi vous avez décidé de joindre le dialogue. Non, parce qu'il y a une crise qui se profile à l'horizon. Nous sommes en pleine crise. Alors, nous voulons faire comme les autres pays africains, c'est-à-dire attendre qu'on aille droit dans les espaces pour chercher des solutions quand c'est compliqué, où nous devons tirer les leçons du passé. À San City, nous sommes allés après que le Rwanda, l'Ouganda et nos propres rébellions RCD, MLC aient déclenché la guerre. Perdu beaucoup de vies humaines et de villes. Et nous avons eu le dialogue, on a eu les 1+4. Maintenant, nous ne voulons pas de guerre. Nous ne voulons pas faire le dialogue après les morts. Nous faisons le dialogue avant que nous n'entrions dans une crise insoluble. Voilà la démarche. Respecter et appliquer la résolution 2277 qui fait allusion à notre constitution. La constitution, c'est l'esprit et la lettre. Donc nous sommes là pour avoir un calendrier qui va nous donner l'alternance au pouvoir. Pas le troisième mandat pour le président Kabila, je l'ai dit haut et fort. Une voilà. Transition, une éventuelle transition, vous pourriez y participer. Mais vous voulez que moi je vous dise à quoi va déboucher le dialogue? Je viens ici pour négocier. Nous, l'opposition, nous venons avec un calendrier. J'ai un plan de sortie de crise. Basé sur trois scénarios, il n'y en a pas plusieurs. Et c'est le rapport de l'OIF et des Nations Unies, accepté aussi bien par la majorité, l'opposition, Tshisekedi et tout le monde. Premier scénario, nous nous mettons d'accord ici, aujourd'hui et même, avec les fichiers de 2011, nous avons les élections le 27 novembre. Il n'y a pas de problème, mais pourvu que nous acceptions les résultats. Alors que, et la majorité, et nous avons dit que c'était un fichier qui est corrompu. Deuxième scénario, fiabilisation partielle. Ça signifie 9 mois et demi d'enrôlement. Donc nous pouvons faire les élections vers le mois de mars et le mois d'avril. Est-ce que le Congo va disparaître? Troisième scénario, 10 mois et demi. Donc nous pouvons terminer l'enrôlement au mois d'avril. Et nous pouvons nous mettre d'accord sur une date raisonnable d'élection ici. Moi je pense que c'est la voie intelligente que nous devons choisir. Donc nous venons ici avec un plan de sortie de crise. Mais si Vital Kamerhe ne vient pas ici pour applaudir, ne vient pas ici pour donner notre mandat, il ne vient pas chercher les postes. Je ne suis pas venu chercher les postes. J'ai été président de l'Assemblée nationale. On m'avait déjà proposé d'être le premier ministre. Ok. Un accord. Être premier ministre, ce n'est pas mauvais. Mais pour faire quoi? Si c'est pour résoudre le problème de la République, tant mieux. Manuel Valls est premier ministre, donc c'était pas rien. Vital Kamerhe, un accord politique ici, à votre humble avis, signifierait quoi? Accord politique, ça signifie qu'il y a trois options qui sont reprises clairement dans les rapports de l'OIF. Acceptées par tout le monde, y compris ceux qui sont dehors. Première option, nous acceptons les fichiers corrompus. Mais ce n'est pas le président Kabila seul qui va prendre cette responsabilité au Yenanga. Donc nous devons nous mettre autour de la table pour dire, messieurs, ne perdons pas du temps, nous acceptons les fichiers de 2011 et nous allons aux élections. Ça s'appelle accord politique, pour appeler ça protocole d'accord, pour appeler ça charte, c'est cela. Deuxième possibilité, fiabilisation partielle. Là aussi, il faut que nous nous mettions d'accord pour qu'on ne dise pas que c'est elle qui l'a fait. Troisième possibilité, ça aussi. La dernière possibilité qui reste, c'est l'insurrection. Et moi, je ne suis pas un vent à guerre. Parce que la Constitution interdit l'insurrection. Mais si ici, là où nous entrons, c'est la dernière chance, nos amis de la majorité, et je ne pense pas qu'ils vont prendre ces risques-là, ne comprennent pas que nous sommes venus uniquement pour élaborer les calendriers électoraux, pour avoir l'alternance au pouvoir, mais nous allons laver les mains. Et nous allons rentrer dans l'article 64. C'est clair. L'opposition pro-dialogue dit qu'il n'y a pas de concession à faire. Merci beaucoup. Plus ou moins, attendez. C'est une vraie montre. Thank you.
cet impressionnant aéropage d'hommes et de femmes parmi les plus réputés et les plus chevronnés du pays, venus de tous les horizons politiques et de la société civile, nous offre l'avantage incomparable de pouvoir toucher du doigt les enjeux de ce processus et les défis qu'il nous condamne à relever. Ce que nous voulions pour notre pays, c'est son droit à une vie honorable, à une dignité sans tâche, à une indépendance sans restriction. Que pourrais-je dire d'autre? Que mort ou vivant, ce n'est pas ma personne qui compte, c'est le Congo. C'est notre pauvre peuple dont on a transformé l'indépendance en une cage, d'où l'on nous regarde du dehors, tantôt avec cette compassion bénévole, tantôt avec joie et plaisir. Mais ma foi restera inébranlable. Je sais et je sens au fond de moi-même que tôt ou tard, mon peuple se débarrassera de tous ses ennemis intérieurs et extérieurs, qu'il se lèvera comme un seul homme pour dire non au capitalisme dégradant et honteux et pour reprendre sa dignité sous un soleil pur. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Patrice Emery Lumumba. Ce qu'il a laissé comme héritage à sa femme et à ses enfants, cet héritage, nous le reprenons, nous l'avons repris, nous l'assumons. Oui, oh oui, nous avons accepté cette mission ici au Congo uniquement pour reprendre le flambeau de notre illustre prédécesseur. Il s'agit de prouver au monde et aux autres nations que le Congo est en mesure de poser de nouvelles fondations, que le Congo aspire profondément à un meilleur devenir à tous les niveaux politiques, socio-économiques, technologiques et scientifiques, et que le faire bouger et émerger est un désir ardent inscrit au cœur de tous les Africains. Je me plais à cette occasion de saluer le président de la République et son gouvernement pour tous les efforts qui ont été faits jusqu'ici pour accompagner et soutenir cette tâche que nous entreprenons en prenant des mesures qui ont contribué à détendre l'atmosphère et à permettre à des Congolais jusque-là détenus de retrouver depuis quelques jours, depuis plusieurs semaines pour d'autres, la chaleur du cocon familial. Nous lui sommes infiniment reconnaissants et lui demandons de poursuivre un assemblement de ce qu'il a si bien commencé. Je dois exprimer ici toute ma gratitude au président Eduardo dos Santos, qui très tôt a cru en ce processus. Il nous a reçus et qui, grâce à une connaissance fine de la situation, a partagé avec nous les détails précieux qui guident encore nos pas. J'exprime aussi toute ma gratitude au président Faure Gnassingbé du Togo, qui suit avec une attention particulière et au jour le jour, je le sais, ce que nous faisons, et qui, dès le départ, nous a encouragés à aller aider nos frères congolais, et qui nous apporte un soutien manifeste, quoique discret. Cependant, établir une vérité historique, même si elle est nécessaire,
n'empêche pas et n'empêchera jamais de continuer à déployer tous les efforts en plein midi ou dans la plus grande discrétion, directement ou par personne interposée, pour que la main tendue, la pomme ouverte en direction des parties qui ne sont pas encore avec nous dans la salle, soit attrapée, pour que toute la famille se réunisse au grand complet et que les irritations d'un moment, une fois digérées, puissent dans cette même salle fonder des amitiés durables et historiques. Cela aussi, le Congo l'exige de nous. Et nous travaillons toujours d'arrache-pied pour conduire ce processus à bon port. Depuis janvier, quand nous avons été désignés par Mme Zuma, nous n'avons pas lésé sur les efforts. Durant des mois, nous avons fait le porte-à-porte à Kinshasa, effectué de multiples voyages entre Kinshasa, Addis Abeba, Luanda, Paris, Bruxelles, au moins trois fois Bruxelles, sans oublier les nombreuses traversées du fleuve Congo. Pour tout cela, pour mener une diplomatie de contact direct qui a permis la rencontre de personnalités précieuses, congolais et non congolais, et qui, pour cet amour de l'Afrique, ont été présents jour et nuit, soit pour anticiper les écueils, soit pour dessiner les contours d'une solution. Des portes nous ont été largement ouvertes, d'autres entrouvertes, mais toutes ont contribué et ont permis d'arriver à cette étape ultime. Je remercie tous ceux qui ont pu contribuer à cela et leur indique que le plus difficile reste à venir, qu'ils ne baissent donc pas les bras. Aux membres du groupe de soutien ici présent, venus de tous les horizons, j'exprime toute ma gratitude une fois de plus. Nous entamons donc la dernière étape du processus de lancement de ces travaux, qui a été rendu non seulement possible, mais libre d'Afrique. Je vous remercie. D'abord, félicitations pour votre nomination à cette fonction. Pas très facile. Et c'est de quoi je parle. Mes connaissances, vos qualités intellectuelles, votre riche expérience, je ne doute pas un seul instant. Comme l'a dit le gouverneur de la ville de Kinshasa, comme nous savons, nous allons choisir le chemin le plus court pour y arriver. Je souhaite donc bonne chance à toute l'équipe de la facilitation et en même temps, je saisis cette occasion pour saluer les autorités du pays ici présentes, le corps diplomatique qui nous ont toujours accompagnés, déterminés par mes pairs de l'opposition. Merci beaucoup pour la confiance que vous m'avez faite en me désignant co-modérateur, chef de la délégation. Je ne veux pas vous décevoir. Nous sommes ici pour parler du Congo, pas de nos ambitions, pas montrer notre capacité à nous insulter ou à nous manquer du respect. Les choses sont sérieuses. En Afrique, on voit les impasses se profiler à l'horizon, on les ignore, finissent par nous rattraper. Il y en a qui préfèrent commencer par la guerre pour terminer par les négociations. Nous sommes ici pour appliquer la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a fait mention du respect strict de notre Constitution, qui a souligné de la manière la plus claire que nous devons discuter ici et maintenant de l'organisation des élections pour l'alternance démocratique sans casse, de façon apaisée dans notre pays.
qui a prévu les préalables pour un climat apaisé. C'est l'occasion de remercier le pouvoir qui a commencé à prendre un certain nombre de mesures pour décrisper cette ambiance qui ressemblait finalement à une guerre entre l'opposition et la majorité, alors que dans l'entrée de cette salle, j'ai vu beaucoup de gens m'embrasser. À un moment, je commençais à me poser des questions. Pourquoi les Congolais passent leur temps à se battre alors qu'ils peuvent vite s'entendre et donner des solutions, non seulement au peuple congolais, mais au monde? C'est comme si nous nous étions entendus pour ne jamais nous entendre. C'est préalable. Les prisonniers, quelques prisonniers de guerre et d'opinion ont recouvré la liberté. Geste appréciable. Des télévisions ont été ouvertes à Kinshasa, c'est un pas dans la bonne direction. Mais 5 restent fermés au Katanga. Nous encourageons le pouvoir à aller jusqu'au bout dans la libération des prisonniers politiques et d'opinion, à ouvrir les médias. C'est tout le monde qui va gagner. Ça va élever le pouvoir, ça ne va pas limiter. Nous disons, la résolution VD 77 parle du dialogue inclusif. Vous l'avez dit vous-même, il y a des absents. C'est ça, vous aviez une révélation que nous ne connaissions pas jusqu'ici. Vous avez déjà rencontré, et que même en présence de la majorité présidentielle, conclu un accord secret ou un document qui peut apporter notre nom. Mais nous disons, messieurs les facilitateurs, nous portons sur nous les frustrations, les revendications, les demandes, les requêtes de tout le monde, les présents comme les absents. C'est pourquoi nous allons lancer un appel fraternel à nos frères de l'UDPS, des G7, mais des autres alliés de l'IDPS à venir nous rejoindre. Vous êtes facilitateurs. Votre rôle se limite à nous mettre ensemble, majorité et opposition, sous l'arbitrage de la société civile et sous la vigilance du peuple congolais, pour voir qui le premier va violer la Constitution, qui le premier, et d'ailleurs les gens de la majorité l'ont démontré, à l'issue des travaux préparatoires, je n'ai pas noté qu'ils ont demandé un troisième mandat pour le président Kabila. Le document est là. En tout cas, ça ne viendra pas de nous et nous ne l'accepterons pas. Donc ceux qui sont dehors, qui viennent ici avec leur sagesse et intelligence pour qu'ensemble nous puissions donner à notre peuple le calendrier électoral. Nous sommes là pour donner un calendrier consensuel. D'aucuns diront que la Constitution a déjà prévu la date de l'élection présidentielle. Mais alors pourquoi la résolution 2277 prévoit le dialogue? C'est que tout le monde est conscient que nous sommes en train d'entrer dans la crise, sinon déjà en pleine crise. C'est pourquoi nous devons convenir ensemble pour que nous disions au peuple congolais à l'issue de ces travaux, de la manière la plus claire, la date de l'élection présidentielle et la date de passation du pouvoir. Nous sommes entre nous, soyez certains que nous nous entendrons. C'est pourquoi je vous demande, avec la compréhension, j'allais ajouter légendaire, mais le mot peut-être n'est pas approprié, la compréhension de nos amis de la majorité, que vous puissiez suspendre les travaux un jour, deux jours, le temps que vous harmonisiez les listes, et je m'engage personnellement avec les amis de l'opposition, nous allons solliciter l'appui de l'Église catholique et peut-être la communauté internationale pour aller rencontrer les amis des G7. En nous regardant dans les quatre yeux, qui nous disent pourquoi ils ne sont pas là et qu'ils viennent avec nous. Il n'y a pas de piège qu'on ne saura pas démonter. Pour que nous voyons l'IDPS et alliés
pour dire au président Tshisekedi, avec toute votre lutte et votre expérience, vous devriez être le premier à vous soucier à ce que tous les Congolais se retrouvent ensemble et que nous puissions refaire la cohésion nationale, gage du décollage économique. Sans paix, on a parlé de Beni, mais ça sera tout de suite rappelé le dialogue parce que l'opposition par ma bouche a proposé qu'il y ait des assises sur Beni autour du président de la République, la communauté internationale, qu'ensemble nous puissions dire qu'est-ce qui se passe à Beni et qu'est-ce que nous proposons pour que cette population retrouve la paix. Personnellement, j'ai lancé un appel au président de la République qu'il puisse, s'il veut, me recevoir. Je vais lui montrer le chemin le plus court pour que ce dialogue se termine dans quelques jours. S'il s'agit d'élaborer les calendriers, je sais que nos amis peuvent avoir des difficultés. Nous, nous sommes des délégués plénipotentiels. Mon ami Mauvalet aussi, et les autres, et Jean-Paul Bassan, où je vois tout le monde ici que je connais, ensemble œuvrons pour que nous sortions de la zone de la honte et que nous démontrions à notre peuple que nous sommes capables d'oublier nos ambitions et de privilégier ses intérêts. Montrer à la communauté internationale que nous ne sommes pas et ne serons pas des éternels assistés. Les intelligences sont là, les expériences, je vois là-bas, et nous pouvons faire des miracles. Je vous remercie. Conçu, à savoir demain on se retrouve ici